À mesure que nous avançons dans l'avenir, il devient de plus en plus évident que l'intelligence artificielle remplacera un grand nombre d'emplois auxquels nous sommes habitués aujourd'hui. Mais une chose est claire, cela se produira progressivement, au fil du temps. Vous avez donc encore un peu de temps pour vous préparer à ce changement, et peut-être même pour acquérir certaines compétences qui vous rendront irremplaçables. Mais pour cela, vous devez comprendre ce que l'IA peut et ne peut pas faire. Et c'est exactement ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Je vais vous montrer trois exemples de métiers qui vont simplement être remplacés par ces technologies de pointe que nous obtenons aujourd'hui. Cependant, il faut préciser que pour tous ces métiers, ce sont vraiment les postes de débutants qui seront remplacés en premier. Au cas où vous vivez dans une grotte depuis plusieurs mois, l'IA dont nous parlons ici est ChatGPT d'OpenAI. Un chatbot à la pointe de la technologie dont la qualité et la pertinence des réponses laissent tout le monde perplexe. Nous allons maintenant examiner certains des exemples de tâches qui seront remplacées par une IA comme ChatGPT. Commençons par le plus évident, les rédacteurs. Et comme je viens de le dire, nous parlons ici de rédacteurs amateurs. Les écrivains de pointe ou les personnes qui sont recrutées pour leur talent ou leur vision unique auront toujours leur place sur le marché du travail. Mais si vous gagnez actuellement votre vie en écrivant des descriptions pour des posts sur les réseaux sociaux ou en rédigeant des simples articles de blog, eh bien, il est probablement temps de commencer à vous inquiéter un peu. Si vous êtes perplexe, je vais vous montrer un exemple. Si je lui demande « Écris-moi un article de blog sur la perte de poids », il me génère un article entier en quelques secondes. Regardez, la tonalité est générique, mais le résultat est vraiment bon. Mais c'est aussi parce que je lui ai donné une requête très générale. Je peux lui demander d'affiner l'article en ciblant les personnes âgées par exemple. Il adapte l'article parfaitement. On peut aussi s'aventurer dans le domaine du copywriting, en lui demandant de nous rédiger une description pour une publicité Facebook d'élastique de musculation destinée aux personnes âgées. Regardez ça, ça me donne presque envie d'en acheter pour mes parents. ChatGPT débloque pour vous un ghostwriter disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 gratuitement. Ça va être très difficile de rivaliser avec ça. Et encore, il s'agit ici de tâches simples. Mais dans le prochain exemple, vous allez halluciner. On va parler ici des développeurs. C'est vraiment effrayant pour ceux qui ont passé des heures et des heures à apprendre à coder. Comme vous le savez peut-être, l'ensemble des compétences que possède ChatGPT va bien au-delà d'une simple conversation avec un être humain. Il ne se contente pas juste d'écrire un code en plusieurs langues. Il peut également le retravailler et le débugger. Et vous savez, la programmation est un domaine extrêmement vaste. Si vous êtes un développeur full stack avec 20 ans d'expérience, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce qu'il y a juste certaines choses que cette IA ne sera pas capable de faire avant 5 à 10 ans, voire 20 ans. Mais si vous avez une simple position de débutant qui a juste assisté le travail de développeur senior, ou si vos revenus proviennent de tâches comme la conception de sites web ou de simples scripts Python, eh bien ChatGPT sera sûrement plus réactif, plus fiable et moins cher que vous. Pour vous illustrer la puissance de cette IA, je vais pas y aller par 4 chemins. Je vais lui demander directement une tâche assez complexe, une application de quiz de personnalité en Vue.js, qui est un framework JavaScript. Le résultat est absolument incroyable. Il me donne un exemple concret, totalement fonctionnel. C'est pas juste un exemple qu'il a pu trouver sur internet, il a littéralement codé lui-même ce que je lui ai demandé, avec un framework bien spécifique, en rajoutant en plus des commentaires d'explication et des pistes d'amélioration. Et le code est 100% fonctionnel. Et si je lui demande d'adapter le code pour un autre framework, comme Angular, il le fait sans sourciller. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé tout le potentiel de ChatGPT. Et voyons ce qu'il fait si je lui dis « Fais un site web simple d'une page en JavaScript pour ma pizzeria ». Et voilà, il me sort un excellent point de départ avec même un exemple de menu. Et ce ne sont là que quelques exemples de tâches que les développeurs seniors peuvent confier aux juniors. Examinons à présent notre prochaine cible, le support client. Dans de nombreux cas, leur travail consiste à traiter des mails ou des demandes des clients et à y répondre. Alors voyons ça plus en détail. Disons que votre entreprise vient de recevoir un email d'un client qui est furieux, parce qu'il vient d'acheter un ordinateur tout neuf dans votre boutique et qu'il ne fonctionne pas. Qu'est-ce que l'IA va répondre à ça? Sa réponse est largement satisfaisante. Il y a même de l'empathie intégrée qui s'adapte en fonction de la situation rencontrée. Tout ça à partir d'une seule phrase d'entrée avec très peu d'informations. S'il savait vraiment ce que fait notre entreprise et s'il avait une base de données d'email associée aux clients et à leurs achats, il saurait immédiatement quel ordinateur il a acheté et pourrait même envoyer un tutoriel sur la façon de résoudre le problème en question. C'est incroyable. ChatGPT ne coûte rien, c'est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, et c'est toujours prêt à aider de la meilleure façon possible. Alors oui, tout ça est très effrayant, mais c'est aussi très puissant. Et la meilleure façon d'y faire face n'est pas de l'ignorer ou de faire comme si ça n'existait pas. La meilleure chose que vous puissiez faire est de vous éduquer sur ces sujets et de commencer à utiliser ces outils à votre avantage. Car il est certain que ce genre d'intelligence artificielle aura une grande place dans notre futur, que nous le voulions ou non. Alors, avez-vous déjà utilisé ChatGPT ou toute autre intelligence artificielle? Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire de cette vidéo. Et comme d'habitude, si elle vous a plu, mettez un like et abonnez-vous.